Vous avez des espaces vraiment super sympas. Alors on voit pas trop avec la caméra parce qu'il fait nuit là. Puis il y a même des couleurs, les couleurs d'automne sur certains arbres. Regardez les couleurs, magnifiques. Cet arbre est trop beau. Là on arrive dans un jardin magnifique. En fait on va au restaurant avec les amis réunionnais. Salut les mecs. Salut, ça va. Salut. Salut. Réunionnais, ça se voit pas mais bon. De cœur. Regardez, j'espère que vous verrez un petit peu l'ambiance de ce jardin. C'est magnifique, c'est hyper beau. Regardez ces petits espaces, c'est super joli, éclairé, les pins blancs du Japon. Hai, konbawa, Tanibata-san. So, so desu ne. Et ouais, c'est un restaurant entouré d'un jardin incroyable. Hai, allez-y si vous voulez juste voir. Ouais. Là, il y a les grosses pierres posées. Ouais. Allez, on va découvrir les grosses pierres posées. Regardez un peu l'ambiance. Oh là là, magnifique. De la mousse au sol, des grosses dalles. Des végétaux très beaux, érables, cognassiers, des pierres disposées spécifiquement, bien sûr, hein, traditionnelles érables palmatum. Voilà, et puis en plus derrière, vous avez les gens en train de manger. Coucou! Allez, on rentre et puis on va aller manger. Je vais quand même couper la caméra. C'était juste pour vous montrer un petit peu l'ambiance. Tu prends la première à gauche. Il n'y a plus que 5 fabricants en pot. Quand on vous dit que le Japon c'est incroyable, là vous avez une route au-dessus des rails et puis encore une route. Voilà, c'est un truc de fou, la station et les parkings à vélo. Et tout est à côté. Il y a un japonais qui danse. Voilà, il y a le japonais qui est devant et ben c'est Maître Tanibata. Voilà. Et là il y a les réunionnais, nos amis réunionnais. Ça va les mecs? Ouais, les gars. Ouais. Voilà, on vient de sortir du resto. Et on amène les amis réunionnais à la gare, ils vont prendre le train direction Kyoto pour la Taikanten. Et nous on prendra le taxi ce soir pour rentrer à l'hôtel. C'est Ikeda Station, c'est une toute petite station en fait. Voilà. Nous on va monter à Osaka Station. On part taxi et on ira directement à Takamatsu. Peut-être à dimanche. Peut-être à dimanche si vous retrouvez. C'est combien de trains on a pris? Au moins 3 ou 4. Et ça, c'est le métro, ça? Non, ça, c'est le train maintenant. Il y a qu'un seul. Après, vous avez le JR Line à Omeda Station. Là, il n'y a qu'un seul train. Voilà. À Omeda, Philippe, on part à pied. À la JR Line. Et vous arrêtez à Tokyo Station. Ok. Bon, on vous voit à l'expo ce week-end? Ouais, on se voit. Peut-être si vous si on vous retrouve. Allez, merci. Vous allez voir, merci. Ciao. À la prochaine, les mecs. Ciao. Et nous, on prend le taxi. Nous, on prend le taxi derrière. Alors, cette soirée, Gabi, bien, non? Ah ouais, c'est
super d'avoir rencontré des Réunionnais. Hein? Il faut qu'on rencontre des connaissait, qui nous connaissaient tout. Coup, alors on les connaît de Facebook, bien sûr, les amis Réunionnais, mais là c'est génial de pouvoir se rencontrer et puis de discuter, tout, de faire connaissance. On va les retrouver à la Taïk Antenne très rapidement. Oui, vendredi. Oui, vendredi, à partir de vendredi. On y sera vendredi aussi. Nous, on y sera. Nous, on va passer 4 jours sur Kyoto. Oui. Là, on va une journée sur Takamatsu, où on va passer la nuit. Et on partira on verra le lendemain matin si on part ou si on prend un peu de temps pour visiter quelques temples. On verra quelques pépinières, parce que Takamatsu, c'est pas les temples, c'est les pépinières. Dans le taxi, on vient de faire un petit direct là de l'hôtel. Je vais vous montrer le paysage, c'est le plus simple, parce que c'est vraiment super beau. Donc là, il y a plein de soleil. On va passer dans des coins un peu plus ombragés. Et ça donne une petite idée un petit peu du paysage un petit peu montagneux de Ikeda. C'est une bourgade qui est donc à côté, on va dire, de Osaka. Une bourgade, alors au début moi je me suis dit c'est un petit village, le petit village, grandeur, la moitié de Bordeaux quand même, vous voyez, donc tout est relatif au Japon. Les choses sont étranges parce que le système métrique étant différent, vous voyez, des bonsaïs et tout, c'est hallucinant de voir des bonsaïs un petit peu partout en fait. Donc je disais, ouais, le système métrique il est différent, ce qui fait que ils optimisent l'espace. Il y a tout comme garage ici, il y a même des garages à parapluie. Il y a des garages à parapluie, j'ai fait une photo pour montrer ça. Des garages à parapluie, c'est... Ouais, voilà. Et puis c'est numéroté. Donc vous mettez votre parapluie dans sa clip, et vous prenez la clé, quand vous ressortez, vous reprenez votre parapluie. Quand je parle de parapluie, c'est plus d'une ombrelle, il faudrait dire ici, parce que les Japonais se protègent beaucoup du soleil. Et ici, vous enlevez vos chaussures partout où vous allez, c'est bien simple. Voilà. Vous rentrez dans un restaurant, vous enlevez vos chaussures, vous êtes en chaussettes. Ne venez pas avec des chaussettes trouées au Japon, vous allez... Vous allez passer pour, pour un guignol. Et puis, vous avez des petits coffres. Vous mettez vos chaussures. Vous pouvez mettre aussi quelque chose de valeur. Si, par exemple, vous avez votre sacoche avec des sous, parce que je sais que les touristes, ils ont toujours peur de perdre leurs sous, le passeport et tout ça. Vous avez des petits coffres à l'entrée de du restaurant. Quand ce sont de grands hôtels, quand ce sont de grands restaurants, on a des petits coffres. Et quand c'est petit, donc les petits hôtels, on enlève nos chaussures, on est pieds nus. Et donc les chaussures sont sur une étagère, personne ne vous pique vos chaussures. Enfin, ah ouais. Bon, de toute façon, il n'y a pas de vol au Japon. J'ai oublié une sangle dans un train. Il y a une personne qui m'a ramassé la sangle de mon sac, qui me l'a rattrapé. Vous vous rendez compte, elle était dans le train, elle est sortie, puis elle est revenue dans le train. Ça, c'est un truc que vous voyez pas en France, quoi. Vous faites tomber un truc, c'est pas sûr que vous le retrouviez. Regardez par exemple ces infrastructures. Tout est superposé ici. Il est pas rare de voir une route, un chemin de fer et une regardez, route ici aussi. L'autoroute est en haut, et vous avez plusieurs routes au-dessous. Voilà, on est en train de passer en dessous d'une voie. Toutes les structures, les infrastructures modernes, même anciennes, sont faites avec des normes antisismiques. Regardez, est mis sur Cellin Bloc. Sur Cellin Bloc. Ouais. Et ça, on nous a expliqué ici. C'est pour ça que vous voyez aussi les bâtiments qui sont séparés de 20 ou 30 cm. Il n'y a aucun bâtiment qui se touche. Là, c'est incroyable. Hein. On a un nœud de route et d'autoroute ici. Là, c'est un truc de fou. Regardez ça, quoi. Il y a les routes qui passent autour les unes des autres. C'est dingue. Je voulais vous montrer juste les structures qui construisent les Japonais. Des structures antisismiques, autopoutres en acier. Donc là c'est la ville de Kobe. Donc vous vous rappelez que cette ville a été détruite il y a quelques années. Et qu'aujourd'hui je vois autant de constructions, je peux vous dire, c'est vraiment impressionnant. Là on est dans le Shinkansen depuis environ 20 minutes et on va partir. On est en direction de Okayama. Okayama, où on descendra pour prendre ensuite un autre JR Line. Cette fois-ci, on ira vers Takamatsu. Regardez le contrôleur. Allez.
Voilà, ça vous donne une idée un petit peu de la culture japonaise. Le contrôleur, il ramasse les déchets ici. Il y a personne ne jette de déchets. Vous avez votre bouteille d'eau ici, par exemple, dans le petit panier, comme les gens. Voilà, tout le monde a sa petite bouteille d'eau. Et si elle est vide ou que vous avez des choses à jeter, le contrôleur il passe avec une poche et il ramasse les déchets. Ensuite, il sort du wagon et il salue toujours le wagon. Je ne saurais pas dire si ce train il est neuf ou si ce train il a 10 ans. Parce que tellement qu'il est en bon état. Regardez le sol, c'est ultra brillant. Il n'y a rien qui traîne. Les sièges sont ultra propres. Vous avez ici la moquette, tout est propre quoi. Là, il y a une petite pédale. Et en fait, cette pédale, eh bien, quand le train change de sens et qu'il remonte vers, pour nous, ça va être Osaka, tout simplement, eh ben, il change le sens des sièges. Voilà, il suffit d'appuyer sur la pédale, voilà. Le siège il tourne, ça nous donne l'autre sens. Et on repart dans l'autre sens. Vous pouvez voir là, l'ensemble des passagers, ils ne tournent jamais le dos à la route. Là on est à Okayama, donc on a fait en fait 45 minutes de train avec le Shinkansen, de Osaka jusqu'à Okayama. Et là maintenant on va prendre le train direction Takamatsu. Alors regardez, hein, c'est assez simple, vous avez le panneau ici là. On va prendre le numéro 6, celui-ci là, le 10h23. Voilà, donc à partir de ce moment-là, vous attendez dans la queue. Comme on fait ici, alors je vous montre, on fait toujours la queue dans les lignes ici et tout le monde fait la queue, hein. On se bouscule pas ici dans les allées. Les seuls qu'on voit marcher sur le bord, c'est un désordre. Ouais, les seuls qu'on voit marcher à l'arrache, c'est nous. Un peu en biais et tout. Alors dès que vous avez un problème d'orientation, quoi, vous allez à un poste, vous avez des postations avec une personne qui pourra vous renseigner, il parle anglais. Allez, on va prendre notre train. Il est 17 et le train part dans 6 minutes. Il est bondé. Écoute, la dame, elle dit des choses. Elle vous dit que en fait, vous êtes dans le train qui va direction Takamatsu, qui sera le terminal. Elle vous annonce tout. Et en plus, elle vous l'annonce en japonais, mais aussi en anglais. Alors du coup, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Avec le Rail Pass, c'est des trains qu'on ne paye plus. Donc là, on a fait tout Tokyo la semaine dernière, dont le Rail Pass, ça a été amorti. On était à peu près 300€ de voyage. Et là maintenant, ces tickets-là, pour cette semaine, pour Takamatsu, pour remonter vers Kyoto et Tokyo par la suite, eh ben, ça va nous revenir moins cher. On va gagner environ un peu plus de 150€. Et grâce aussi à la carte SIM que j'ai mis dans le téléphone, eh ben, j'ai la Wi-Fi. J'ai l'accès à Internet, même dans le train, quand il n'y a pas la Wi-Fi. Là, vous prenez votre carte SIM, là, ça coûte 27€ en fait. Hein. J'ai regardé hier soir, 27€. Et du coup, vous avez accès à Internet en permanence, entre les lignes, etc. Quand vous arrivez en station, quand vous êtes dans le Skyliner, ou quand vous êtes dans le Shinkansen, eh ben, là vous avez des Wi-Fi gratuites, même pendant le trajet. Ce qui fait que ça vous permet de consulter Internet, de voir tout ce qui se passe, d'être au contact et surtout de jamais perdre le plan. Je voulais vous faire écouter, quand il n'y a pas d'annonce, écoutez un peu, le train là, il n'y a pas une seule place assise. Voilà. Si, il y en a une juste en face de moi, c'est tout. Tout le reste du train est complet. Comme vous pouvez le voir, les gens sont très discrets, on parle doucement. Ok, je vous montre un peu le paysage. Donc là, c'est assez plat. On va s'approcher du pont qui va traverser en fait de l'île principale. On va aller sur l'île de Shikoku. Je vais vous montrer un petit peu. Je pense qu'il va y avoir un pont assez gigantesque. Je crois que c'est un des plus grands ponts du monde. Là, on commence à s'éloigner vraiment des villes et on commence à voir des champs de culture. Vous pouvez voir des systèmes de culture qui sont intéressants. Il y avait quelques serres là tout à l'heure. Et souvent encore des niwaki. On en voit encore là. Vous voyez là. Les motrices, la motrice de ce train en face, elle doit avoir facilement 50-60 ans.
peux vous dire, à part le toit, et tout le reste est en parfait état. Au sol, je vois d'ici, derrière le monsieur, là, je vois d'ici que c'est brillant, en fait, le sol de cette motrice. Et ce train, je peux vous dire qu'il est super vieux. C'est ça qui est énorme. Pas grand monde sur les quais. Là, on est sorti de la cohue, on va dire, des grandes villes. Ça va être plus tranquille. On va dire que c'est un peu l'ambiance qu'on a trouvée à Obousé quand on est arrivé. Donc le pont dont je parle, c'est bien ça. On le voit d'ici là. Vous avez la perspective sur la gauche. C'est un pont gigantesque en fait, composé de plusieurs plateaux. Ah, cette vue là, elle est incroyable. Là, quand je regarde là, je suis dans le vide en fait. Vous voyez, là, les rails sont dans le vide, c'est un truc de fou. Vous avez une île là, ici, là. Vous avez une petite île ici. Et vous avez une autre île sur la gauche, ça c'est une autre île, petite. Et vous avez des plages. Ça a l'air agréable. Des plages de sable fin avec beaucoup de cailloux quand même. Ici, là. Des parcs à huîtres, on voit des parcs à huîtres là. Ce paysage. On arrive à Takamatsu. On va aller poser les affaires à l'hôtel. On va prendre un petit taxi. Et puis ensuite, on va filer à Kinashi, c'est-à-dire à deux stations d'ici. Donc, pour l'instant, la priorité, trouver un petit taxi qui nous amène à notre hôtel. C'est bon. Salut, il salue tout le temps en fait. Dès qu'il y a des voyageurs qui arrivent, vous venez chercher quelqu'un. Vous avez plein de magazines aussi, moi je trouve ça marrant les magazines. Regardez les magazines. Plein de magazines. Je pense qu'il y a les hôtels et tout là-dessus. Déjà, on a allez. Ah ouais, c'est clair. Donc, quand vous sortez de la station Takamatsu Station, hop, ici, et ben en face, vous avez les taxis. Donc maintenant, on va se présenter, on va voir si on a un libre qui peut nous amener à notre hôtel. On est arrivé à Takamatsu, on prend le taxi. Il faut venir de quelque chose comme ceci. En fait, vous avez ici, sur la gauche, vous avez le nom de l'établissement. Vous avez marqué Aji Cho avec l'adresse et tout. Alors, le numéro de téléphone, il est là. Voilà. Et avec ça, les taxis ici, ils arrivent à vous retrouver. Bon, là, on est rentré dans un taxi d'une autre dimension. Hein. On est dans les années 60, là. Super propre, par contre, super propre. Toujours super propre, les taxis. Regardez. Même si c'est très très vieux, eh ben, c'est très très propre. Voilà. Et on va donc. on va. Gabi n'est pas rassuré parce que là, le conducteur il s'est fait expliquer par d'autres chauffeurs pendant environ 5 minutes par où on devait partir, où on allait. Il y a la police partout aussi. Il y a la police partout, ouais. En fait, partout même. Le bonhomme là, il est en train de. En fait, ils sont à chaque coin de rue là. Mais il y a souvent, c'est parce qu'il y a des. Là, il y a des travaux. Je pense qu'il y a des travaux. Je crois, je sais pas trop. Ici on ne voit pas les feux, vous voyez là il a pilé
quand c'est orange, on pile. Alors, Alex m'a dit que au Japon, les feux, ils étaient de l'autre côté de la route. Ouais, ils sont de l'autre côté. Là, c'est de l'autre côté de la route. On a vu le feu passer orange. Et là, là on pile. Là, on rigole bien depuis tout à l'heure, Gabi. Parce qu'en fait, notre taxi, il est paumé. Il est perdu. Et nous, on rigole. Derrière, Gabi, il est pas du tout rassuré. Là, il va nous faire faire le tour du Japon, le mec. Le tour de Takamatsu, mais bon, remarquez, c'est super beau. Bon là, pas trop, mais je peux vous dire que là, je rigole. Là, c'est bon. Oh, le champion du monde, on a trouvé, ça y est. Mais qui va prendre les rails dans pas longtemps. Si Alex, il était là, il se foutrait de sa gueule, je suis sûr. Après, c'est pas évident. Ici, c'est gigantesque, en fait. Hein, donc, trouver les rues, là, c'est tombé, quoi. C'est son boulot, remarqué. Hein, mais ouais. À mon avis, ça doit pas être trop référencé, cet hôtel que j'ai pris. J'ai peut-être dû prendre quelque chose de moins loin, je sais pas. On n'est pas trop loin encore hein, de la station de Takamatsu. Je vais vous le lisser en direct là parce qu'il est en train de chercher. Ça fait alors il s'est fait déjà expliquer une première fois. Et là maintenant il cherche. Apparemment il a trouvé quand même. Je vois sur le plan, il a trouvé. Il y a deux adresses. J'espère qu'il n'y a pas de deux adresses. Parce que alors là, si on est mal. Là, je peux vous dire, on est mal s'il y a deux adresses. Le seul taxi au Japon qui a pas de GPS. Bah, j'ai pris celui, normalement, c'est comme d'habitude, c'est le premier de la file. Hein. Donc c'était à lui. En fait, bon, il doit faire que des trajets faciles. Trajets longs, c'est pas pour lui. On est toujours dans notre taxi, mais là, on est sur la bonne route. Encore 6 minutes, on va arriver. On voit plein de pierres. Il y a beaucoup, beaucoup de Niwaki également. Il y en a partout. Il y en a absolument partout, des Niwaki. C'est beau, hein. C'est beau, il fait chaud aussi. Beaucoup de pain noir, peu de carpus. Ouais, regardez ici. Oh là, c'est le pays de la pierre, le pays des. Ouais, oh là là, ouais, des genévriers aussi, ouais. Franchement, les pierres ici, c'est un truc de fou. Il y a des carrières absolument partout. Des lanternes japonaises. Toutes les formes, toutes les tailles. Super lourd. Vaut mieux envoyer ça par bateau, hein, parce que là. C'est bon, je l'ai mis sur la bonne voie, donc maintenant on va tout droit. On devrait arriver à la guest house d'ici 5 minutes, même pas. Moi, t'as pas joué au matin, je vais à ce moment. Ça pourrait être drôle. Juste pour finir, mais bon, on va payer cher du taxi, je crois, parce qu'il va pas nous laisser partir sans payer, lui. Hein. Les genévriers, les Ito. Ouais. T'en as chez toi? Oui. Ah, moi, ça pousse bien chez moi. T'as une bouture, on a passé? Oui. J'essaie de faire une greffe sur le mien pour voir s'il y a point. Ouais, donc pas de problème. Tiens, pourquoi tu te mets à faire des greffes tout d'un coup? Je sais pas, une envie comme ça. Gabi, il en a pris tellement plein les yeux que là, les informations, là, ça commence à cogiter grave. Moi, je sais que mon installation, elle va changer aussi énormément. Je pense que dans les vidéos, je vais vous montrer un peu les changements. Ça va être radical. Changement de culture, changement aussi certainement d'emplacement. Comment... En fait, j'ai vu les ateliers. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir comment ils travaillent au niveau des ateliers. Je pense que je vais. Je suis pas tout mal mon atelier quand même. Hein. Ouais, toi ton atelier. Je peux améliorer encore. J'ai vu des choses à améliorer. Hein. Ouais, ouais. Après, par contre, j'ai changé d'engrais. Moi, l'engrais, le biogol, je laisse aux touristes. Ouais, c'est clair. En hiver, nous on met pas d'engrais, ils en mettent. De l'engrais tout le temps. Ils s'arrêtent pas de mettre de l'engrais en fait. Et nous on s'arrête, mais pourquoi on s'arrête? On sait pas, alors que le vivant il continue de vivre. Alors j'ai vu quelques commentaires sur ça sur Facebook et YouTube d'ailleurs. Bon ben
Bon, ouais. Après, l'erreur est humaine. Hein. On a fait des erreurs. Nous, on ne dit pas qu'on ne fait pas d'erreurs. Simplement qu'on a fait. On a fait ce qu'on nous a. On a fait ce, qu'on nous a conseillé, ce qu'on nous a dit, quoi, pendant. Alors, je filme en même temps notre ami du. Notre ami, là, conducteur, parce que il est toujours paumé. Hein. Donc. Moi je suis assez. Je vais lui remettre le. Je suis obligé de lui mettre le GPS en fait parce que. Il est vraiment paumé. On va arriver là. Oui, je coupe, je lui remets un coup de GPS.